Bonjour, je m'appelle Rosine Goulet et j'habite l'île du Prince-Édouard. Je veux mettre en marche un projet de maison des jeunes à Charlottetown pour les jeunes de 12 à 18 ans. Ici à l'île, que ce soit en français ou en anglais, les jeunes n'ont pas de place à eux, un endroit où ils peuvent se rencontrer, s'amuser, jouer des jeux, faire des sorties de groupe, etc. Mon projet a pour but d'augmenter l'appartenance sociale d'un adolescent. Nous savons tous qu'à cet âge, l'adolescent est en recherche de leur identité sociale. Alors, je veux leur donner une opportunité de vivre en français à l'extérieur de l'environnement scolaire. Mon projet s'adresse non seulement aux jeunes adolescents de l'école française, mais à tous les adolescents qui veulent apprendre le français, qu'ils soient en immersion ou dans les écoles anglophones. Je veux aider les jeunes à découvrir à quel point la langue française est belle, tout en les laissant s'amuser, jouer et découvrir. Il y a beaucoup de jeunes motivés à apprendre le français, mais ils n'ont pas la chance de participer à des activités. Alors, leur français ne dépasse pas la salle de classe. Avec mon projet, ils auront une place bien à eux, où ils pourront partager en français. Je pense que mon projet va apporter beaucoup à la communauté de Charlottetown, car c'est à l'adolescence que nous nous identifions, nous trouvons à cet âge tout ce qui est important pour nous. Alors, nos jeunes ont le droit d'avoir une chance de s'identifier au français, non?